dit le Poquelin Théâtre, on pense à deux choses. On pense au lieu que nous appelons souvent maintenant de plus en plus le POC. Et puis, et la compagnie, qui s'appelle également le Poquelin Théâtre. Donc c'est la compagnie du Poquelin Théâtre qui fonctionne dans son propre lieu, que nous appelons maintenant le POC, pour un petit peu différencier, ou bien les bains-douches, puisque nous sommes dans ce lieu assez, voilà, assez magique. Dans ce bâtiment, donc des anciens bains-douches du quartier de la Bastide, que nous avons transformé en lieu culturel, tout le bas est axé sur le théâtre. Quand nous entrons, à droite, nous avions les cabines femmes et à gauche, les cabines hommes. Alors ces cabines hommes, voilà, que nous voyons maintenant, sont toujours intactes. Les cabines nous servent de dépôt, voilà, nous mettons tout notre matériel, vous voyez, des costumes, du petit matériel, etc., etc. Et puis actuellement, s'il y a autant d'ordre, c'est que ces cabines servent pour un spectacle que nous avons en cours de lecture de détenus. Donc vous voyez, les cabines sont transformées en cellules de prison. Et côté droit, en entrant, là, les cabines femmes ont été transformées, ont été abattues, pas toutes, mais la plupart, pour en faire une petite salle de spectacle limitée vraiment à 25 personnes. Donc c'est le plus petit théâtre de Bordeaux, le seul et unique rive droite, Bordeaux rive droite. Donc, comme j'ai souvent, il a deux tares, il est petit et il est unique. Depuis 23 ans, nous organisons des rencontres mensuelles qui s'appellent les Mots du Mardi. Tous les premiers mardis de chaque mois depuis 23 ans, que le mardi tombe un 1er janvier, un 1er mai, c'est ouvert, tout y compris l'été. C'est un rendez-vous des amoureux de la poésie.